Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3, un avenir retrouvé. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous n'allons pas nous attaquer à Gotard le connard là parce que il nous éclate la gueule et on n'est pas assez bon tout simplement. Donc faudra attendre. C'est pas qu'une question de niveau, c'est aussi une question, je pense, de compétence, une question de résistance, une question de tout simplement de déblocage. On n'a pas encore suffisamment tapé des monstres. Donc ouais, ça me paraît dommage de se casser les dents sur lui pendant trop longtemps. Après, dans la zone, il reste... on a ça, là. On va aller prendre le... On va se téléporter au camp, ici. Et on va essayer de voir ce que fait le petit point d'interrogation, là. Il faut attendre la journée, pour le coup. On va se téléporter la journée. Non, merde. Comment je fais pour changer la journée? Allez, voilà, c'est là. On va changer, on va se mettre le jour, voilà. Parce qu'il me semble qu'il fallait que je sois le jour. Ouais, ça a pas l'air d'être ça. Est-ce qu'il fallait qu'il pleuve? Là, il y a quelque chose, ou est-ce que c'est en dessous? C'est en dessous qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a un conteneur en dessous, ok. Ok, le conteneur est en dessous, donc c'est pas par là. Donc, en réalité, on s'en fiche, il y a un doublon au pont. Il est juste en dessous, donc on va aller là. Hop, on va aller prendre le conteneur. Qui est vraiment pas loin en réalité. Hop. Un petit doublon de pont. Non, même pas. Ok. Ok, ok. Là, il y a le méchant. Ici, il y aurait quelque chose. Bon, on va aller là. On va aller voir. On va aller voir les points d'interrogation que l'on peut chercher. Soit c'est des monstres qui sont pas à notre niveau. Soit c'est des quais, des quelque chose, des conteneurs. Il y a une veine des terres, ok. Ça peut être intéressant pour construire des trucs, hein. Hop, et il n'y avait pas un truc dans l'eau, là? Si. Ta-da-da-da-da. Oula. D'accord, bonjour Brannigan. T'es un tout petit toi. Niveau 64. C'est un peu l'overkill de le tuer. Comme ça. Mais il va se prendre toute la haine de Gotard. Faut vraiment que je puisse débloquer les capacités supplémentaires. Parce que je les ai achetées mais j'ai pas les emplacements. Faut que je trouve des kits. Voilà, des kits de déblocage de d'art. Et ça, soit c'est en récompense de quête, soit c'est paumé dans la nature. Hop, toi tu dégages. Parfait. Brannigan le lutteur, manuel de tactique volume 9. Alors, on va aller voir ça. Personnage. Accessoire. Manuel de tactique. Augmente de 50% l'hostilité envers les protecteurs. Alors, attendez. Empêche l'ordre de se terminer si les 100% sont atteints par l'action pour pouvoir choisir un autre personnage. Augmente le pourcentage de dégâts de 100 et augmente un soutien coup critique. C'est comme un support, ça, du coup. C'est ça que ça fait. Est-ce que c'est pas fort sur Rex, ça? Est-ce qu'il pourrait monter très haut? Sur
qui ça pourrait être bien de mettre ça, l'empêcher de... Sur un DPS. Comme ça, on repasse à un autre DPS à la fin. Est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre ça ? Garantit sa propre réactivation. Ça, c'est super fort, parce que comme ça, on peut le réutiliser. Mais ça, ça permet de le faire monter, mais du coup, derrière, ça sert plus à rien. Ouais, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas super intéressant. Après, ça peut être bien sur un support. Il a déjà ça, mais ça permet d'avoir une chaîne héroïque. Qui fait la même chose que son passif de support. Ouais. Pas super intéressant. Du coup, on va garder le celui-ci. Hein. Ok. Ok, ok. Il y a quoi de plus, du coup, sur cette quête ? Sur la carte. Là, c'est le monstre de niveau 1 milliard. Et là, j'ai pas de quoi monter. Pourtant, j'ai l'échelle. Je suis pas y aller. Il me semblait y être allé. Lui, niveau 70. Donc, autant vous dire qu'un niveau 60, j'arrive pas à le tuer. Donc, un niveau 70, il a beau être deux fois plus petit. Je crois pas que la taille change grand chose dans Xenoblade. Ah, quoi que. Peut-être que la taille du monstre change. Ah, parce que je n'avais pas de quoi construire l'échelle. Voilà, maintenant que j'ai des cylindres d'éther, je dois pouvoir le faire. Est-ce qu'on n'aurait pas une relique au-dessus qui nous permettrait de débloquer un kit ? Pourquoi pas ? Ah, Nell et Nicole sont tombés. Lol, si c'est bien une relique. Ta-ta. Kit de déblocage d'armes, et c'est parfait, c'est exactement ce que je recherche. C'est exactement ce que je recherche. Ah. Toi tu as tout, toi il t'en manque un. Toi il t'en manque un. Toi il t'en manque deux. Toi il t'en manque pas. Toi il t'en manque deux. Et toi il t'en manque pas. Donc on va aller chercher un art à débloquer. Et je vais te mettre la frappe roulée. Effet de zone avant, cible unique. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec ça ? Augmente de 100% les coups critiques contre les ennemis qui exécutent des arts. Est-ce qu'on ne peut pas inverser les deux ? Là, les deux en combiné, ils sont incroyables. Ça fait recharge sur coups critiques. Recharge sur coup porté plus recharge sur coup critique. Charge auto-attaque. Un coup critique est asséné. C'est fort ça. Je pense que ça peut être pas mal. Rex peut être encore plus pété qu'il ne l'est. Ok. Par ici, il y a moyen d'y aller ou pas ? Je sais pas, là, il y a un point d'interrogation que je n'ai pas encore réveillé. Ta-da-da. Est-ce qu'on va aller voir l'amélioration d'armes ? Est-ce que Riku, il peut faire des miracles ? Je suis pas sûr, hein, je crois que j'ai plus de matériaux. Mais peut-être que j'en ai loot entre-temps. Force de récolter des conteneurs et autres. Here's our destination. Ah oui, par exemple. Canon d'épaule de Tetsudo. Ouais, il ne faut que des canons d'épaule de Tetsudo. Je n'ai plus de canon d'épaule de Tetsudo. Alors, on augmente les dégâts là. Hein. Coup critique de Rex. C'est toujours l'attaque. Ouais, donc on va faire les deux DPS et puis c'est tout. Hein. Faut un os minéral de machin, ok. Ouroboros 7. Ok. C'est toujours ça de prix, hein. Alors ensuite en quête on a quoi ? Non, c'est pas les quêtes ça.
On a la quête machin là, à aller chercher sur un mur, sur un trône, sur un machin. Mais ça, j'ai pas pu se trouver. Ici, on a regardé. Il y a ici qu'on n'a pas. On n'a pas fini d'explorer ce côté-là. On n'a pas fini d'explorer ce côté-là. Bon, on va faire ça. Parce qu'aussi bien, il y a la, il y a l'échelle, enfin, la, pas l'échelle, le pylône, là. On va aller voir. Il y a d'abord une cavité là. Tadadadadadadada. Il donne des terres, tiens. Godril paresseux. C'est une veine des terres. On va vous tuer, monsieur le Godril paresseux, hein. Ta-da-t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 a. Ta 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 la. Pin, pin, pin. Ok. On sait jamais, on a peut-être, on en a peut-être besoin dans l'entrée. Non. Ok, là y a rien ici. On va aller voir de ce côté-là. On ira voir sur ces ruines ici, là. Il y a forcément quelque chose sur ces ruines là. Il y a lui qui est électrique. Il y a quoi là? Il y a même pas un conteneur caché dans un buisson là? Sérieusement? Non. Ok. Ben y a rien, hein, que voulez-vous? Il y a rien de plus ici. Non, c'est juste en face. On va aller voir en face. Forcément des quelque chose. Je veux pas le taper. Ah quand même. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok. Et vous là, vous êtes niveau combien? 29. Quand j'étais passé, je devais pas être niveau suffisamment haut niveau pour vous affronter. C'est pour ça que j'étais pas venu. Mais maintenant c'est le cas. Ta 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 ta. Hop. Double. Ta 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 ta. La France, s'il te plaît, merci. Ta 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 ta. Ok, parfait. Donc on va passer par là. J'ai pas fait l'échelle, là. On devrait pouvoir y aller. Reste du pilier de... J'ai pas vu. Point d'entente. J'ai pas lu le lieu. Reste du pilier de Lumos. Pilier de Lumos. Où est-ce que c'est que ça? Je me souviens pas du lieu. En quoi... je pense que c'est tiré du 2, ça, non? Le pilier de Lumos. C'est pas genre Attental ou quelque chose comme ça? C'est censé être dans la neige ce truc, non? C'est pas un titan, c'est pas le titan de Tantale dans la neige, ça? Une des ruines en dessous, ça pourrait correspondre. Hein. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça? J'en sais rien. Hein. Ok, là il y a un comme ça. C'est un allié, ça, non? C'est pas un. Sauver les plus faibles, bah oui. C'est un membre de la cité, ça. Oui, il faut les sauver. Ta 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 ta. Hop. Toi t'es un méchant. Toi tu tapes un pauvre cité. Hein. Non? Ah ok, c'est pas un cité, hein. D'accord. Là je peux pas sauter parce qu'il me faut l'échelle. Ta 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 ta. Là, il y a le lac, mais je crois que si je tombe, je meurs. On va passer par là. Paf, parce que c'est pas un lac avec... Ah si, c'est un lac, ok. C'est un lac avec de la vraie profondeur. Il n'y a rien là, il n'y a pas un kit. Non. C'est pas une grotte. Putain, c'est juste un lac, ok. Il n'y a rien dans le lac.
Ah, il y a une veine d'éther là quand même, je me disais, il y a forcément un truc. Ok. J'ai l'impression qu'on n'a pas exploré ce petit bout là, voilà, hop. Ah, il y a des échelles, mais j'ai l'impression que je les ai pas activées. Si là elle est construite, mais celle-là elle est pas faite, cette échelle qui est là. Elle n'est même pas indiquée d'ailleurs, elle est indiquée sur la carte, mais elle n'est pas indiquée. Enfin, elle est indiquée sur la mini-carte quand j'appuie sur le bouton. Mais elle l'est pas quand je regarde sur la vraie carte. Ce qui est bizarre. C'est bizarre, non? Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Appelle tes copains, vas-y. Hop. Ok, et toi? Ok, parfait. Non, je crois qu'il faut que je descende. Cela dit, je vais pouvoir descendre, il n'y a pas de barrière. Doum, doum, doum. Et une échelle à construire. Hein. Alors je peux juste faire ça comme ça. Ah non, mais il n'y a pas d'échelle à construire. Kit de déblocage d'entente. Ça, je l'ai loupé alors qu'il est là. Il a pu nous servir dès le début celui-là. Personnage. Entente. Kit de déblocage d'entente. Faut déjà que je l'augmente. On va mettre Glimmer. Hein. Faut que j'augmente Glimmer. Temps de recharge, easy lanceur, zone lanceur type soin. On réduit son temps de recharge, c'est très bien. Multiplicateur 700, attaque éther, action de rôle, soigne tous les alliés quand un nar touche l'ennemi. Un nanar, n'importe quoi. Soigne les alliés à proximité avec 50% du soin du lanceur à l'exécution de l'art. Et je n'ai plus de points. Réduit 30% l'acidité. Prolonge la durée de 30% la durée des effets de champ. Augmente le soin de 10. Augmente 50% les dégâts infligés par les combos d'union. Ok, c'est fort ça en vrai. On va l'utiliser. Ok. Maintenant il nous faut gagner des points de trucs là. Pourquoi tu me fais un dealing là? Au-dessus il y aura un truc que j'ai loupé? Merde. Il y a une échelle, il serait au-dessus là? Huh. L'aurais-je loupé tout à l'heure? Ta-da-da-da. Ah! Je t'ai pas tué toi déjà. Maurice le patrouilleur, sinon tu serais mort. Forcément, nécessairement. Ta 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 la 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 la. Alors je devrais peut-être revoir mes duos en réalité. Parce qu'il me semble qu'il y en avait un qui était directement. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de faire. Je devrais le réactiver. Je crois que j'avais un duo qui s'activait tout de suite. Je crois que c'était Shulk avec Mathieu. Avec Mathieu plutôt. Mathieu, c'est pas ça. Avec Mathieu. Shulk et Mathieu, ils avaient le truc qui se charge direct. C'était vachement fort. Et ça aurait pu être utile en réalité. Quand on les déséquilibre dès le début. Donc en réalité, je crois. Je vais revoir les trucs. En fait, je suis le patrouilleur. Ta-da-da. Ah, ça, c'est bien. Personnage. Non, c'est Union. Avec Matthew. Recharge de 100% la jauge de spécial en duo en début d'un combat. Augmente les effets des arts à chaque art différent utilisé à un temps délimité.
augmente de 100% la portée des arts d'attaque avec zone d'effet, augmente leurs dégâts de 200%, augmente de 30% les dégâts infligés par les alliés, réduit de 15% la garde ennemie. Augmente le pourcentage de dégâts bonus infligés en touchant un point faible de l'ennemi. Augmente de 20% les chances d'esquiver une attaque ennemie, ralentit de 50% l'écoulement du minimum de durée pour tous les handicaps, augmente de 15% la précision et l'esquive de tous les alliés, augmente de 150% les dégâts infligés aux ennemis éjectés ou chutés à terre. 100% la portée des arts d'attaque, 20% de chances d'esquiver, réduit les dégâts, augmente les dégâts, prend le 50%, ralentit de 50%, augmente la 30% des dégâts infligés par les alliés. Recharge de 100% la jauge de spécial. Ben ça c'est logique, c'est celle qu'on avait. Augmente le pourcentage de dégâts bonus. Non mais en réalité on va mettre ça, comme ça on l'a direct. Rex avec... Augmente de 150% les dégâts infligés aux ennemis éjectés ou qui ont chuté à terre. Hey, je veux toujours la voir dans les enchaînements. Donc c'est important qu'elle soit dans un enchaînement qui est intéressant, donc l'être avec, et comme Rex je veux qu'il y soit tout le temps, c'est cool aussi. Si jamais on arrive à l'éjecter durant un enchaînement, 150% des ennemis qui sont éjectés ou qui ont chuté, c'est pas dégueulasse du tout. Augmente pour le groupe le pourcentage de coups de critique de 20 points et celui des dégâts bonus de 50 points. Non, on va faire ça avec Ay. Et du coup on va mettre Nicole et Glimmer qui restent tous les deux ensemble et ça c'est parfait. Augmente les dégâts infligés à mesure que le combat se prolonge. En vrai, c'est pas dégueu, hein. Moi, ça me plaît bien. En plus, on met Glimmer et Nicole ensemble à nouveau. Je les ship tellement. Je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. Que j'aimerais que ce soit canon. C'est un peu... Ils se rapprochent hein, dans le jeu et tout, mais ils sont pas officiellement ensemble. Contrairement à Mio et Noah, même Rex avec Pyra Mistra, probablement Nia même du coup. C'est pas 100%, mais... c'est pas 100% certain, mais c'est quand même le seul où on voit les gosses, à part Glimmer du coup. Mais je me pose quand même la question sérieusement de où est l'enfant de Rex et Mistra. Hein. Parce que certes, il y a l'enfant de Rex et Pyra, c'est Glimmer, on le sait, mais où est Mistra? L'enfant de Mithra, parce que sur la photo, il y est, hein, donc c'est une question qui me pose problème. Voilà, je sais pas pourquoi il y aurait la sœur et pas l'autre. Enfin, il y aurait une sœur et pas l'autre. C'est bizarre, tout de même. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que c'est étonnant. C'est étonnant, et... On n'aura pas de réponse, puisque le jeu est terminé. Le développement est terminé, il n'y a rien. Il n'y a aucune allusion à cette deuxième fille. Même sa troisième fille, technique. Parce que techniquement, si Mio, c'est effectivement la fille de Nia, bah, c'est aussi la fille de Rex. Donc, du coup, vu que c'est la fille de Rex, là, il n'y a aucun problème. Hop, là, il y a une relique. On sait que la fille de Rex est... Et Mio, c'est Nia. Non, et Rex et Nia, c'est Mio. L'inverse. Sinon, c'est creepy. Donc ça, on le sait. Une première sœur. Donc du coup, Mio, techniquement, est sœur avec Glimmer. Voilà. Ah, il y a le pylône ici. Bah parfait. Ça, techniquement, je crois qu'on est à peu près tous d'accord dessus. À moins que je me trompe comme une merde, royalement. Mais je crois qu'on est tous d'accord sur ça. Mais du coup, il reste la troisième. La fille avec Mithra. Enfin, je dis la fille, mais ça se trouve, c'est un garçon. Hein. Mais où est-il? Où est-elle? Je ne sais pas. Et ça, je vous avoue que ça me pose souci. Parce qu'il n'y a pas d'autres blondinés. Il y avait bien un truc ici. Il n'y a pas d'autres blonds ou blondinés. À part Nicole, mais Nicole, c'est le fils de Shulk avec Fiora. Donc non, il n'y a vraiment rien. Hein. Y'a vraiment rien qui va. Y'a vraiment rien qui va pour le coup. Et je sais pas d'où. Je sais pas d'où ils nous sortent. Enfin, vous voyez, je sais pas pourquoi ils l'ont complètement
pas, ils en ont pas parlé, quoi, dans le jeu. Ils ne l'ont jamais mentionné, ils ne l'ont même pas effleuré, alors qu'il y a des, il y a les gosses de Zeke et de... Je l'ai pas vu, sérieux, alors que je suis tombé là tout à l'heure. Et merde, je suis pas tombé au bon endroit. Tac. Est-ce que je peux remonter? Non, je remonte pas. Ah zut, je vais me retaper tout le tour. Alors que, bah, ils en parlent jamais, c'est un peu dommage. Donc, ouais. Peut-être qu'on aura des infos dans le 4. Tout revient à ce Xenoblade Chronicles 4. Hein, qui ne se rappellera pas forcément Xenoblade Chronicles 4 comme d'habitude. Mais vous savez le jeu que je... Le jeu dont je parle, la suite. Ta-da-da. Hop. Ouvrons ce petit conteneur. Kit de déblocage de gemmes. Parfait. Plouf. On n'a plus tant de médailles Nopon à récupérer. Ta-da-ta-da. On a eu gemme et quoi? On a eu gemme et quoi? On n'a pas eu une entente. On n'a pas eu un art. On a eu quoi? Deux gemmes? Débloqué, je peux te mettre en tank. Augmente l'hostilité. Ah bah ça y est, j'ai plus. Les gemmes, c'était la dernière. J'ai tout débloqué les gemmes, mais ça doit être accessoire alors. Ouais, c'est ça. Alors on va mettre ça sur Rex et on aimerait voir si je peux pas enlever une hostilité. Augmente de 80% les dégâts infligés quand un allié est KO. Non. 116% les dégâts infligés par les auto-attaques. En vrai, c'est ok. Plus d'argent. Augmente de 60% les dégâts infligés aux ennemis de niveau supérieur. En vrai, c'est fort, ça. Parce que ça nous permet de gagner de l'XP et de contrer potentiellement des choses. Augmente de combien? Il y avait un truc, là. Empêche toutes les pertes d'équilibre si l'ennemi bloque vos attaques. Ah bah voilà. Renforce de 60% la baisse d'hostilité quand un ennemi cible le personnage. C'est exactement ça qu'il me faut. Alors sur la porte, deux points, un royaume déchu. Au sol, J du roi, souvenir perdu. Sur la porte, un royaume déchu. Alors un royaume déchu, je vois pas de quel royaume il parle. Hein. Parce que pour moi, il n'y a pas de royaume dans... Pas de roi dans Xenoblade, si. Partantal, justement, c'est un roi. Il y a quoi? Hop, là, il y a un conteneur. Une médaille Nopon, parfait. Il manque plus qu'une. Sur la porte, son royaume déchu. Alors là... Là, il y a un point d'interrogation, probablement un conteneur ou un truc d'éther. Encore un machin que j'ai loupé là. Là, il y a un mob niveau 80 000, on l'avait vu. On va aller voir là, tiens. Le point d'interrogation. Ah ben, c'est ça la porte! C'est forcément ça. Ruine de la porte d'Ulcaria. Ulcaria, mais c'est, on est où? C'est quoi Ulcaria? Ça me dit rien Ulcaria. Bah on y est, parfait. Bah on va finir là-dessus, on se fera ça la fois prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et
Bah, à la prochaine fois, voilà. Ciao, ciao tout le monde!